from 1850 on the left to 2020 on the right. One stripe per year, with the colours indicating the temperature in that year. The dark blues representing colder years and the reds representing warmer years. This is a striking representation of how the planet has warmed, particularly over the last 30 or 40 years. En termes sémiologiques, vous avez quelque chose qui à la fois parle à tout le monde parce que c'est visible, est simple et compréhensible pour tous, et quelque part en arrière-plan reprend aussi des codes qui sont liés à la code de la société de consommation au travers notre code barre ou notre QR code d'aujourd'hui, et qui permet de bien tous se sentir touchés par ce genre de choses. Le gros avantage de ce type de visuel, c'est que ça montre qu'en fait, c'est maintenant. C'est-à-dire que le dérèglement climatique, on y est déjà. À l'inverse, je dirais l'inconvénient, c'est que ça montre une image qui ne correspond pas tout à fait à la réalité du dérèglement climatique. La réalité du dérèglement climatique, c'est pas simplement le fait qu'il va faire un peu plus chaud, peut-être 2 ou 3 degrés de plus, c'est l'accélération des événements météorologiques extrêmes. C'est le fait qu'on va passer de zones de tempêtes, de cyclones, de tornades, à des inondations, à des périodes de canicule. La difficulté du rouge, c'est que sa première perception, c'est l'idée d'un danger. On sait que la couleur rouge, synonyme de danger, elle peut des fois renforcer l'inertie, voire la paralysie. Prend le pari que ce visuel sera fortement repris dans des campagnes de publicité, des campagnes de communication commerciale d'entreprise, un peu pour montrer qu'elles ont compris comme une sorte de label, de certification.